Les papas qui ont tendance à abandonner leurs enfants, là, les papas qui renient leur paternité, beaucoup parmi vous vont le payer, hein. Parce que c'est trop facile, en fait. Le mec, il se met avec une femme, il va avec elle sans se protéger. Et quand la fille est enceinte, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est que soit va avorter, soit ce n'est pas moi le père, soit je ne veux pas, soit tu te débrouilles. Et comme ces personnes-là souvent oublient vite, ils disparaissent et ils réapparaissent des fois quand l'enfant est déjà âgé. Quand l'enfant est déjà mûr, la maman a fait le plus dur. C'est à ce moment qu'il va venir imposer sa paternité. On peut être comme ça. Hein? Un homme normal ne peut pas renier sa paternité, en fait. Si vous n'êtes pas prêt à faire les enfants, protégez-vous. Mettez les préservatifs. Vous allez me dire que c'est de la faute aux mamans, mais les papas aussi sont responsables. Les papas aussi sont responsables. Toi, tu n'es pas prêt de faire l'enfant et c'est toi qui vas avec une femme sans te protéger. Pourquoi vous faites ça? Il y en a, ils ne se soucient même pas. Tu as enceinté une femme. Tu es en train de t'amuser comme si la vie était belle. Entre-temps, il y a une femme qui porte son enfant. Tu n'assistes pas au malaise. Tu n'assistes à rien du tout. Tu vis comme si de rien n'était. Ton enfant est dans le ventre de quelqu'un. On peut faire ça? Hein? C'est quel genre de bonheur que vous cherchez en vous comportant ainsi? Les enfants n'ont rien demandé. Si tu sors avec quelqu'un que tu ne veux pas, prends tes dispositions. Ne couchez pas avec les femmes si vous n'êtes pas prêt à faire des enfants. Aujourd'hui, on retrouve trop d'enfants qui n'ont pas de papa. Hein? Pourquoi vous faites ça? Heureusement qu'il y a une justice terrestre. Parce que oui, laisser son sang comme ça là à l'air. Laisser son sang comme ça là traîner. Laisser son sang souffrir. On va forcément récolter tôt ou tard. Bon courage à toutes les mamans qui sont victimes de ces papas méchants là. Irresponsables. Ils sont nombreux. On va les croiser à gauche, à droite. Ils paraissent normaux entre temps. C'est des hommes irresponsables. Un vrai homme, il assume sa paternité. Un vrai homme, il s'occupe de sa progéniture. Ce que vous faites là, ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais il y a un Dieu de justice. Et ce Dieu-là, il va se charger de vous faire payer le mal que vous faites à vos enfants. Vous croyez que vous faites ça aux mamans? Vous ne faites pas ça aux mamans. Il y a des mamans qui sont obligées de supplier. On va retrouver des mamans avec plusieurs enfants. Le papa est dans la nature en train de faire le beau. Il va même se mettre avec quelqu'un qui a des enfants. Et tes enfants que tu as laissés avec une autre femme là, qui s'occupe d'eux? Oh non, c'est trop de méchanceté. Revoyez-vous, hein, parce que c'est trop de méchanceté en fait.